Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et oui, je sais que beaucoup d'entre vous l'attendaient. J'ai pas arrêté de vous spoiler, de vous dire que j'adorais ma couverture, que j'adorais mon album, que j'avais hâte que vous puissiez le voir. Oui, oui, oui. Eh bien, le voici, le voilà. Donc, c'est l'album War in Pussyful, voilà, de Kraftwerk. Donc, je me suis éclatée avec tous les petits die cuts, voilà. C'est la première fois que j'en mets autant comme ça. L'Olaf, tu me gênes, voilà. Allez, va-t'en, pousse tes fesses. Oui, oh, bon. Sur le côté, il est comme ça. Donc en fait, vous pouvez voir, c'est un morceau de carton gris qui est mis pour pouvoir faire un effet un effet 3D, je vais y arriver. Hop. Et ici, j'ai mis là. Voilà. Hop. Donc, je vous avais prévenu que cet album était un peu plus original que ce que je fais d'habitude. J'ai vraiment changé et j'ai adoré. Franchement, je me suis dit que ça pourrait changer. Alors, c'est une ouverture assez... qui risque de bouger. Attention, alors pas bouger dans le temps, mais voilà, il faut faire attention quand on le manipule parce que ça peut s'ouvrir facilement. Voilà, par contre, il faut mettre des aimants très puissants. Moi, j'ai mis les gros ronds de chez Horizon Créatif. Donc, en fait, hop là. Non, je ne l'ai pas cassé, je vous rassure. Donc, vous avez quatre aimants ici et ici. Et en fait, ils tiennent le devant de la couverture. Hop là. Donc, on ouvre ici et après... Hop là, nous avons des pages de chaque côté. D'accord. Donc, pour réaliser cet album photo, j'ai utilisé un paquet de 30 par 30, un paquet de 20 par 20, oui, un seul j'ai réussi à faire avec, un paquet de 15 par 15, du ruban, les nouveaux die-cuts rentrés sur ma boutique. Alors, il doit en rester quelques-uns. Attendez, parce que là, voilà, ici, il y en a, parce que du coup, j'ai testé de faire les bébés que j'avais fait en étiquette. Donc, je les ai testés. Voilà, là, vous avez, hop, ici, c'est mes maris au coin du feu. Vous avez Noël ensemble qui me reste. Alors, là, mes petits petons. Ici, vous avez le joyeux Noël. Bon, ça, c'est des bisous tout doux. C'est de la collection bébé. Après, vous pouvez très bien mélanger des collections. Hein. Mais photo en famille, voilà, il allait dans Joyeux Noël. Mais voilà, ce qui est bien avec cela, c'est qu'on peut les mettre dans plusieurs. Voilà, je crois que c'est voilà mon plus beau cadeau qui va dans bébé. On aurait très bien pu le mettre aussi dedans. C'est pas mal, j'aurais dû y penser. Voilà. Bref, ma petite pub pour la boutique est réalisée. Du coup, on peut mettre, j'ai dit, 67 photos à l'intérieur. J'ai utilisé aussi, du coup, deux formats 15-30, pardon, de die-cut. Alors, j'ai pas utilisé tous, j'en ai utilisé quelques-uns. Ce qui est bien, c'est que c'est assez intemporel. On peut l'utiliser pour toutes les collections. De Noël un peu, ça reste du basique. Donc deux différentes, un avec les fleurs et un avec tout ce qui est les boules de Noël. J'ai utilisé du ruban, des œillets. Et je pense que j'ai tout dit. Et du cardstock, c'est la couleur... Je vais ranger rubis. Il me semble que c'est le rubis. Et en cardstock, j'ai dû utiliser trois feuilles. Donc, ici... On n'ouvre pas, on enlève juste, on a des tags là et là. Donc ici, Noël enchanté, falala. Alors j'ai vu un commentaire de Fleur me disant « Tu n'as pas mis le ho ho, le traditionnel ho ho ho. » Plus de batterie. C'est vrai que je ne l'ai pas mis, mais je vais le rajouter, c'est pas trop grave. J'ai vraiment beaucoup aimé le concept. Alors vous voyez, vous avez une pochette là, ici et ici. D'accord ? Ouais. Hop, là. Ici, ici, et ici, c'est pas collé totalement, quoique ça s'est collé. Hop, du coup, mes livrets s'ouvrent comme ça, voilà. Hop, donc ici, ici, et ça, ce sont pour des journalings.
et ici. On ouvre. Alors, j'ai pas mis un aimant assez fort ici. Alors, là. Et là. Ici. Alors, ici, Jérémy, vous pouvez mettre une photo. Hein. Ici. Ici, vous avez. Ici. Et. Pareil de l'autre côté. Hop là. Ensuite, on revient de l'autre côté, pochette toute simple avec un livret. Oui, je me suis encore amusée avec les die cuts. Donc chocolat chaud devant la cheminée. Et ici, pareil pour du journaling. J'ai vraiment aimé. Alors, ce sont deux pochettes différentes et avec une petite fleur et un petit mot Noël en famille, histoire de cacher le raccord. Hop. Après, vous pouvez très bien mettre des mini livrets pour mettre plus de photos. Ici, pareil, deux tags pour du journaling. Et ici, un autre. Alors, cette carte-là, vous avez pu la voir sur Instagram. Voilà. Et ici. Donc, ce sont quasiment que des photos de 9 par 13. Vous en avez aussi de 6 par 9. Pareil, ici, une petite compo avec marqué « Jouer dans la neige ». On ouvre ici, ici. Et ici, nous avons deux livrets. Donc, quand on regarde, ça fait à peu près ici. Donc, c'est pareil. Là. Et là. Un ici. Et un ici. On repasse de l'autre côté. On ouvre ici. Alors, j'ai mis que un livret ici, mais on peut très bien en mettre d'autres. Hein. Je les ai quasiment tous faits comme ça avec le petit truc ici. J'adore. Ça fait un bouton que je voulais faire. J'avais vu dans des vidéos, entre autres Michel Fieul, me semble. Et je ne l'avais encore jamais fait. Chaque fois, j'oublie. Et là, je n'ai pas oublié. Ici. Là. Là. Hop. Et là. Vous pouvez très bien rajouter une photo ici. Moi, je ne l'ai pas fait. Ici, hop, mes petites fleurs ne se mettent pas bien. Photo souvenir. Alors, il y a un aimant dans la fleur ici. Ici. Et ici. Ici. Et ici. On ouvre. Ici. Ici. Et ici. Deux photos de plus ici. Et un tag ici. Donc là, c'est pareil. Les bêtises des lutins. Ensuite, ici. Hop, on ouvre là. Ici. Et ici. Et ici. Et enfin, ici. Un grand tag. Instant cocooning avec ici. Donc vous pouvez en mettre plus. On a un livret ici au pied du sapin. Hop, on ouvre ici et ici. Hop là, voilà. Donc, normalement, si je ne me suis pas trompée, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Si j'ai un doute. 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17. 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24. 25, 26, 27, 28. 29, 30, 31, 32. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53,
54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. Je m'étais trompée. 70, 71, 72, 73 photos et non 67. Voilà, j'en avais oublié. Hop là, ici, et on referme comme ceci. Donc, voilà pour cet album photo. J'espère qu'il va vous plaire. Moi, franchement, je l'adore. Je le trouve très, très original. Et j'espère qu'il va vous plaire. Les tutos débuteront dès lundi. Vous en avez 10 au total. Et j'espère que vous passerez vraiment un excellent moment en ma compagnie. L'album, pour le moment, est toujours disponible en boutique. Et puis, moi, je vous fais plein, plein, plein de gros bisous. Je vous souhaite une très, très bonne journée. Je vous mettrai tous les liens, que ce soit de l'album, des die-cuts et tout ce qui s'ensuit, en barre d'infos. Et nous, on se retrouve très vite pour les tutos. Allez, bisous, bisous.